J'ai moi-même invité chacun de vous en ce lieu, car j'ai besoin de vous pour transmettre mes messages au monde entier. L'important, c'est de prier l'Esprit Saint pour qu'il descende sur vous. Quand on l'a, on a tout. Les gens se trompent lorsqu'ils se tournent uniquement vers les saints pour demander quelque chose. Moi, je ne peux pas guérir. Dieu seul guérit. Priez. Je prierai avec vous. Croyez fermement. Jeûnez. Faites pénitence. Je vous aiderai autant qu'il est en mon pouvoir de le faire. Dieu vient en aide à tous. Je ne suis pas Dieu. J'ai besoin de vos sacrifices et de vos prières pour m'aider. La messe est la plus grande prière de Dieu. Vous ne pourrez jamais en comprendre la grandeur. C'est pourquoi vous devez être parfait et humble à la messe et vous devez vous y préparer. Je vous en supplie, priez Jésus. Je suis sa mère et j'intercède pour vous avec lui. Mais toutes les prières vont à Jésus. J'aiderai, je prierai, mais tout ne dépend pas uniquement de moi, mais aussi de votre force et de la force de ceux qui prient. Je vous en prie, ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause des âmes qui se perdent dans le péché. Priez pour l'effusion de l'Esprit Saint sur vos familles et sur vos paroisses. Priez, vous ne le regretterez pas. Dieu vous donnera des dons pour lesquels vous le glorifierez jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Chers enfants, demain soir, priez pour l'Esprit de vérité, surtout vous qui êtes de la paroisse. L'Esprit de vérité vous est nécessaire pour transmettre les messages tels qu'ils sont, sans y ajouter ni retrancher quoi que ce soit, tels que je les ai dit. Priez pour que l'Esprit Saint vous inspire l'esprit de prière, pour prier davantage. Moi qui suis votre mère, je vous dis, vous priez peu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de l'année 1983-1984 à Medjugorje. Mon commentaire. Dans ses messages du début des apparitions, Marie nous dit que chaque personne qui vient à Medjugorje ou qui entend parler de Medjugorje est appelée par la Sainte Vierge pour transmettre les messages au monde entier. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est d'avoir l'Esprit Saint. Quand on a l'Esprit Saint, on a tout. On ne comprend pas toujours très bien quand il faut le prier, l'Esprit Saint. Moi, je le prie pour m'aider à prier Jésus ou Marie. Je lui demande de m'aider à ouvrir mon cœur ou à bien prier. Je le prie aussi pour m'aider à trouver des solutions, ou pour que les personnes de ma famille aient un bon comportement, un comportement sain. Marie nous signale qu'elle ne guérit pas. Seul Dieu peut le faire. C'est pour ça qu'elle a besoin de sacrifices pour nous aider. Quand on va à la messe, Marie nous conseille de prier sur le chemin qui mène à l'église, pour bien vivre la messe. Marie va nous aider, mais ça ne dépend pas que d'elle, mais aussi de notre force de prière. Et pour que nos prières soient plus fortes, il faut devenir saints, des saints ordinaires, qui vivent normalement et placent Dieu à la première place. Elle nous informe aussi que les larmes de sang sur les statues, ce sont de la tristesse pour les personnes qui commettent des péchés. Dernièrement, elle a demandé des prières pour notre famille. Et nous pouvons demander à l'Esprit Saint de venir influencer chaque personne pour qu'elle prenne le bon chemin et ne se perde pas dans le péché. Et enfin, elle nous demande de prier l'Esprit de vérité pour ne pas supprimer un mot ou une virgule dans le message qu'elle a dit ou les traductions pour rester fidèle à son message. C'est dans le message du 9 juin 1984. Ces photos de miracles de Medjugorje.
Merci de prier pour que l'Esprit Saint vienne dans votre famille et mette un peu d'ordre et de paix dans le cœur de chacun. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de prier aussi pour qu'on rétablisse le respect et l'autorité des professeurs. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci de prier pour Marie, car elle est en dépression et elle aimerait en sortir. Fermez les yeux et répétez après moi. Tu es le Dieu des choses impossibles. Toi qui as rendu fécondes les entrailles stériles. Nous venons te demander l'impossible. Ramène tous les chrétiens à la maison, non pas dans notre église, non pas dans la leur, mais dans la tienne. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi. Amen. Vous pouvez me contacter. Voici mon email. Rémi.croassier@orange.fr.